Eh bien, salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur The Transylvania Adventure of Simon Quest Bram Demo 2021. Donc aujourd'hui c'est un jeu, très particulier, c'est vraiment très proche d'un certain Castlevania, comme vous serez rendu compte, j'ai envie de vous dire, voilà. Alors je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu, je pense qu'on est assez bon là comme ça. Voilà, parfait. Donc ce jeu. Alors c'est un jeu un peu particulier parce que, c'est un jeu fan game à la fois. Mais c'est un jeu qui essaye de se placer également dans la timeline de Castlevania 2. Donc Simon Quest, que vous connaissez bien entendu, si vous connaissez un petit peu Castlevania, Simon Quest qui est Castlevania 2. Donc mine de rien, je suis assez curieux de voir ce que ça donne, sachant que c'est un jeu qui essaye d'être fan game comme je vous dis, mais à la fois d'être un petit peu dans les mêmes settings, c'est-à-dire que là pour le coup, la Roumanie a certains problèmes, et en l'an 1500. Et disons qu'il faut récolter 5 items pour sceller l'âme de Dracula. C'est vraiment un peu comme le même jeu, tu vois, comme Castlevania 2. Donc c'est assez particulier hein, quand même comme, comme setting, parce que c'est un peu comme Castlevania 2. Et là je me suis dit, mais ça essaie vraiment de reprendre le même jeu? Ça essaie vraiment d'essayer de faire une suite alternative ou une histoire alternative se basant sur Castlevania 2 en même temps? C'est quand même pas trop mal, hein. Franchement je trouve ça vraiment assez sympa. L'idée est cool, franchement. Essayer de reprendre les mêmes settings d'un jeu déjà existant, bon, on a fait ça d'inspiration j'ai envie de te dire. Mais dans le thème auquel ça essaye vraiment de faire une histoire alternative du même jeu, faut oser, moi je te le dis, ça c'est génial. Alors, option, fais voir ce que ça donne. Full screen, ouais, je pense qu'on est assez bon. Window scale, faut voir sur OBS comment ça rend. Mais ça a l'air pas trop mal, hein, j'ai envie de te dire. Alors, show enemy name, bon, ça je m'en fiche un petit peu. Ok, musique test et tout. Je pense qu'on est assez bon là comme ça. Donc écoute, on va jouer tout de suite à ce jeu. Alors j'ai rien vu de ce jeu ni quoi que ce soit, j'ai juste vu des previews rapidement sur itch.io, c'est tout ce que j'ai vu. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Alors évidemment j'ai testé rapidement le jeu, voir s'il tournait sur très bien sur OBS. Voilà, c'est un petit peu la seule chose que j'ai faite, donc vous en faites pas pour ça. Donc voilà, alors entrée tournant bien entendu. Alors bon, moi je mets toujours... Attention, comme sur beaucoup de jeux... Non. Pour cette vidéo, on va quand même respecter un petit peu le quota. Je m'appelle Monsieur Ultima. Alors, le T, il est où? T, hop. Ultima. Voilà, c'est parfait. Et même, on va mettre un point d'exclamation. Même 2, même 3. Allez. Je m'appelle Ultima. Je m'appelle Ultima. Comme ça, c'est parfait. Donc voilà, c'est une petite présentation du jeu rapidement. Voilà. Rien de transcendant. Donc c'est juste pour vous dire tout simplement que le jeu, voilà. Merci pour le travail, tout ça, merci pour tout ce qui est apporté tout simplement par l'équipe de développement du jeu. Et que ce jeu est toujours pas terminé, c'est une démo. Encore une fois, c'est une démo ici qu'on est, c'est pas le jeu complet, très loin de là. Et disons qu'il y a peut-être des changements qui pourraient venir si jamais le jeu sortait en release complète. Voilà, tout simplement, j'ai envie de te dire. Alors déjà j'aime bien l'ambiance globale. Avec la petite mer là en Wiibit qui tourne vraiment bien. J'ai envie de te dire, c'est quand même vachement cool. Alors hop, on va tout de suite y aller. Et là hop, on y est. C'est parfait. Alors il me semble que les squelettes, c'est vraiment comme dans Castlevania 2. Hein. C'est vraiment les mêmes sprites, il me semble. Peut-être à quelque chose prête, j'ai envie de te dire, mais... Il me semble que c'est vraiment comme dans Castlevania 2. Hein. Donc hop, on va récolter des pièces. Sachant également qu'ils ont repris le système de pop, des pop hein, sur NES. Donc ça veut dire qu'on peut... on peut littéralement déjà farmer un petit peu, donc déjà un petit peu les pièces et compagnie. C'est-à-dire que quand on sera dans une ville avec un shop ou des choses similaires, on sera déjà assez bien. Hein. J'ai envie de te dire, c'est quand même vachement cool. Hop, niveau cœur aussi, on se met bien, mais bon. C'est pas le plus important, j'ai envie de te dire, pour l'instant. On n'a pas encore d'âme secondaire, quoi. Voilà. Ça. Hop. Alors une chose qui me dérange peut-être un petit peu... Bon, c'est rapide, hein. Et c'est le Patreon en bas à gauche. Je veux dire, c'est la grosse pub qui fait un peu tâche, je trouve. Bon, en même temps, ça prend pas trop de place à l'écran, donc ça va. Mais bon, quand même. Mais quand même, quoi. Hop. Hop, on va laisser passer un petit peu. Voilà, parfait. Allez, on peut servir de sa tête comme projectile aussi. Ça va de soi, ça va de soi, oui, bien sûr. Il y a le chien. Alors là, le chien, bien entendu. On peut lui faire une petite caresse au petit chien-chien. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, ça, les gars. Mais d'ailleurs, une chose importante à savoir, je sais pas si celle qui va nous le dire. Alors, c'est peut-être elle, je pense. Is in the shop before you want to sell your tongue. Is in the shop before you want to sell your tongue. Voilà.
C'est comme dans Castlevania 2. Le jour, ça va, mais la nuit, les monstres sont beaucoup plus puissants. Donc, faut quand même faire très très attention. Alors, là, on va parler à ce gars ici. More of a game. Donc, ça, c'est un mini-jeu, mais bon, ça, il est pas trop hyper intéressant, honnêtement. Donc, je pense pas que ça va être très intéressant à montrer. Peut-être en fin de vidéo. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il n'est pas super intéressant, c'est juste un jeu d'argent pour gagner encore plus d'argent, hein. C'est sur la chance bien entendu, donc voilà. Qu'est-ce que tu me dis toi? Redemption. Ok. Donc là elle nous dit que des nuages apparaissent à un certain endroit à partir du milieu de la nuit. Alors une clé ici, et que je peux pas récupérer. Ok. L'anglais c'est sympa en tout cas, hein. Franchement ça reprend, comme dit, hein, ça reprend vraiment l'ambiance de Castlevania 2, globalement. Même si je t'avoue que bon, ça aurait été cool si jamais, bon, encore une fois, il a pas les droits, hein, il a pas les droits du tout, le gars qui fait le jeu, c'est normal. Mais ça aurait été cool de reprendre, hein, je sais pas, un remix des musiques de Castlevania, tu vois, ça aurait été vachement cool, mais bon, en même temps, ça fait une game, on va pas demander d'avoir les musiques officielles dessus, sinon ce serait une copie, ce serait un petit peu moyennement parlé au niveau copyright, hein, ça on... Ce serait même ridicule, je trouve, à ce niveau-là. Enfin bref, vous connaissez la chanson, j'ai envie de vous dire, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai déjà fait bien fait de farmer déjà un peu d'argent, parce que, bon sang, quand tu vois un peu le prix, là... putain. Donc c'est quand même pas mal. Mais j'ai envie de te dire, dans Castlevania 2 aussi, hein, tu farmais comme un porc, hein. Ça changeait pas, quoi. Déjà, dès le début, t'essayais de farmer comme un porc pour essayer déjà d'être prêt pour la nuit. Et quand la nuit arrivait, tu farmais déjà encore comme un porc aussi. Pourquoi? Parce que ça te portait le double de l'argent. Donc voilà, hein. C'était farmeland aussi, un petit peu, Castlevania 2, quoi. C'était un petit peu ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Peut-être un secret, quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Non, rien du tout. Rien du tout. Ok. Bon, l'église, hein, bien entendu, aussi. Alors, est-ce qu'il y a un passage secret en bas, comme dans Castlevania 2? Je ne pense pas. Ok. Donc ça veut dire que si je parle tout simplement la nuit, je pourrais rester ici jusqu'au petit matin. Donc c'est quand même vraiment pas mal du tout. Voilà, la statue est vraiment, vraiment sympa en tout cas. Franchement, très beau design et tout. Ok, est-ce que tu as envie de sauvegarder ta progression? Voilà, ça se fait tout seul, hein, vous voyez? Pouf! Tout simple, d'un coup, comme ça. Nickel, parfait. Ok, donc à chaque fois que tout simplement on a... Hop. Chaque fois qu'on ira dans une ville, il y aurait une église, hein, tout simplement. Donc c'est un peu normal. Oh, attends. Bring holy water to me. Il y a un better vessel. D'accord. Donc, quand on aura de. Bon, voilà. Quand on aura de l'holy water, on pourra tout simplement lui lancer à lui et on aura quelque chose en plus. Donc, c'est quand même pas trop mal aussi. Ok, bon. On va attendre que la nuit arrive. Alors, je sais pas s'il y a un écoulement jour-nuit en pleine ville. Ah, si. Bah. Ça, suffit que j'en parle, hein. Suffit que j'en parle, hein. Et tout va bien, quoi. Alors, monsieur. Ok, il peut faire une potion, mais il a besoin d'une plante médicinale. Ok. Alors, est-ce que c'est déjà la nuit ici? Ou alors c'est le milieu de la nuit, enfin, je sais pas. Ou est-ce que c'est avant la nuit? On dirait plus un peu le avant la nuit. Hein. Les gens, ils commencent déjà à rentrer chez eux et tout. Ah, c'est bien, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils interagissent et compagnie. Vous voyez que dans Castlevania 2, bah... les gens, ils rentraient chez eux, ok, mais... C'était des zombies, en fait. Ah bah voilà, tout simplement. Comme je le disais. Ah, c'est marrant comment il meurt. Sympa. Ok, pas mal du tout. Bon, pour l'instant, rien de signalé ici, pour l'instant, donc c'est pas le plus important. Ok, Fast Traveler. Oh, peut faire un voyage rapide. Excellent, ça. Ok, ça, j'imagine que c'est peut-être un point de checkpoint auquel le Fast Traveler va pouvoir revenir ici, simplement. Donc tant mieux. Alors pour l'instant, les ennemis ici n'ont pas trop changé. Peut-être qu'il y aura plus d'ennemis si je vais plus loin, tout ça, je sais pas du tout. Alors est-ce que je suis un bel mot, est-ce que je sais nager? Ça c'est une grande question, les gars. je vais pas tenter l'expérience, mais voilà quoi. Si on me met des plateformes pour éviter de tomber dans l'eau, je pense que c'est une réponse à ma question. Hein, voilà. C'est certain. Ok.
Ok, ça a l'air pas mal du tout, hein, en tout cas. Oh, le château. Oh, putain. Oh, qu'est-ce que ça rend bien ici. Ah oui, bah oui, évidemment. J'imagine que c'est déjà le lieu final du jeu, hein, qui nous est déjà présenté, là. Oh, ah d'accord. Oh, niveau 3. C'est parfait. Ok. Non, franchement, là-bas, c'est sympa. Après, je suis un petit peu déçu parce que la nuit, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça change beaucoup de choses finalement. Alors que c'était quand même une mécanique vraiment un peu unique hein, dans Castlevania 2 finalement. Donc, quand même, c'est un peu dommage, je trouve. Oh! Ah, c'est, ce serait pas Vivi ça, tiens. Lol. Mais sympa le lieu en tout cas. Franchement, très très cool. Oups. Je vois qu'il y a plusieurs lieux à visiter et tout, c'est quand même très très cool. À voir au fur et à mesure du temps, hein, tout simplement, comment ça va rendre également. Oh, mais ça, ce serait pas plein de médicinales que le vieux veut? Ah bah oui, comme ça il va pouvoir me faire une potion. Excellent ça. Oh! Oh, le nombre de pièces qu'il m'a lâché. Oh, pas mal. Bon, au niveau cœur, je vois que je suis à ma limite, je suis à 50. Ok. Et du coup, c'est tout. C'était vraiment pour récupérer la plante médicinale, en fait. Ok. Comment j'ai pu me faire toucher par ça, quoi. C'est un petit truc ridicule, quoi. Comment j'ai pu me faire toucher? Ah, bref, soit. D'accord. Et du coup, j'ai perdu mes... Ouais. Ah, je vois le but de la grotte. D'accord. Bon, pour l'instant, ici, ça va. J'imagine que sur d'autres lieux, ça pourrait être plus problématique. Vous avez vu qu'il y a les lumières qui se baladent de part et d'autre, que souvent, tu as des zones d'ombre auxquelles tu ne vois rien du tout. J'imagine que sur d'autres... Ouais. Oula, wow! Ok. J'imagine que sur d'autres grottes avec un petit peu les mêmes settings, mais qui seraient, elles, des vraies grottes bien plus longues, ce serait complètement différent, c'est sûr. Oula. Ah, d'accord. Ok. Oh! C'est quoi qui s'est échappé? On aurait dit un chat ou un chien, je sais pas. C'était quoi ça? Ok. Ah. J'adore le bruitage, quoi. Là, le bruitage, lui, du coup, est vraiment bien repris de Castlevania, quoi. Ok. Bon, c'est bien, on a déjà une variété d'ennemis, là, ici, c'est cool. On n'a pas dû attendre trop longtemps avant d'en avoir. C'est vrai que j'avais un petit peu peur par rapport à ça, mais bon, ça va, finalement. Alors, ce qui est bien, c'est que les bulles s'arrêtent sur les plateformes. Ils auraient pu faire les bâtards... Oula. Ils auraient pu faire les bâtards et faire passer les bulles à travers les plateformes, hein. Ça, ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu faire ça, clairement. Oula, oui, mais j'avais pas vu ça, moi. Les plateformes qui tombaient. Oh, mais vingt dieux. J'avais pas vu ça moi. Oh là là. Bon. Ok, c'est un peu bizarre comment ça fonctionne parce que j'ai l'impression que ça tombe uniquement que quand tu sautes. Ce qui est un peu. Ce qui est un peu contradictoire hein, finalement. Oh putain, il m'a fait peur lui. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, et alors ça va être le dernier checkpoint, j'imagine. Ouais, voilà, exactement. Ça fonctionne vraiment comme un checkpoint ici du coup. Donc c'est pas plus mal de savoir que c'est là ici comme ça. Ok. Bon, quand je reviendrai, j'aurai certainement beaucoup plus de pièces. Du coup, ce sera pas plus mal. Non, je vais me baisser. Ah merde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Alors. Toi ici. Alors. Alors, bon, je suis désolé. Putain, je suis désolé. Oh là là, oh, cette mort de merde. N'importe quoi. Alors franchement, là, elle était belle celle-ci. Magnifique, magnifique. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait de game over. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un système de vie ou quoi que ce soit. Ou alors ça
pas montré, en tout cas. Mais ok. Bon bah, désolé, hein, les gars. Bon, vite, tue-le quand même, au bout d'un moment. Voilà, je pense qu'on est bien là. Parfait. Non mais c'était quoi cette mort de merde aussi là? N'importe quoi. Putain. Franchement, tu peux éviter de faire des morts de merde comme ça, ce serait pas mal quoi. Non, parce que tomber dans l'eau. Bon, c'est arrivé à tout le monde sur Castlevania, ça, hein. Tomber dans l'eau comme une grosse loque et mourir de la sorte, tout simplement. Et tout de même, putain, c'est. Mal calculer son saut, c'est pas trop mal ça, quoi. Oups, voilà, là je t'ai eu. Là, t'as pu me faire peur. Voilà, là je t'ai eu. Oups. Oh, bah, j'ai lancé mon couteau au hasard en plus. C'est assez marrant. Là. Oh putain. Alors ce passage, parce que tu vois, on t'habitue à ce qu'il entre deux trous il y a un ennemi. Le truc c'est que le jeu il va te faire croire qu'il y aura un ennemi, mais là il te le sort pas. Et là du coup le jeu il m'a eu. Le jeu il m'a eu tout simplement. Donc là ça va être un peu complicados. Mais bon. Du die and retry, hein. Là du coup, je pense qu'on va juste repasser là et ce sera bon, tout simplement. Oups. Ok, là on est bon. Parfait, sans prendre de dégâts en plus. Nickel. Oups. Parfait. Excellent. Ok. Alors. Maintenant on est reparti ici. Là, le couteau. Alors je veux bien avoir l'eau sacrée, hein, ça me dérange pas, mais le truc c'est que bon. Le truc c'est que le couteau est tellement utile, en fait, finalement. Bah ouais, je suis vraiment obligé de sauter, quoi, sinon c'est la mort assurée. D'accord. C'est vraiment la mort assurée, sinon. Ok, je vois le truc. Franchement, faut pas laisser une plateforme partir, hein, sinon t'es mort, quoi. C'est ça le truc, t'es mort, t'es fini. Complètement. Après, ce qui est pas mal. Ouais, hein, je tiens à dire, hein, c'est une petite chose comme une autre. J'ai l'impression vraiment de bien farmer les pièces comme ça. Franchement, ça me dérange pas alors. Hein. Parce que quand je vois mon nombre de pièces là maintenant, qui augmente petit à petit. Ah, je me dis que c'est pas si mal. Qui arrive là, c'est pas si mal non plus. Putain, mais. Ah non, là par contre, ce saut là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible là, monsieur. Par contre, vous avez vu la lune qui était là derrière? Elle avait l'air excellente, hein. Oh! Hein? Mate-moi cette lune, quoi. Est-ce que les ennemis vont changer d'un coup? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ah, j'en sais rien du tout, mais wow! Putain. Putain de lune, quoi. Excellent. Ah là, pour le coup, niveau game design, on est vraiment pas mal, je pense, hein. C'est sûr que là, c'est de la qualité. Allez, sois anarchique de Castlevania. Content qu'il soit de retour, hein, n'est-ce pas? Alors. Ça, c'est drôle, ça aussi. Non, ça va. Ok, parfait. Bon. Si je mets encore une fois. Je vous couperai la séquence jusqu'à ce que je réussisse, tout simplement. Bon, en même temps, c'est pas trop dur non plus, hein, j'ai envie de te dire, donc voilà. Ok. Allez, on revient quand ce sera bon. Bon, je pense qu'on est bon. Et oui, les gars, on est bon. Ah, c'est parfait. Alors, deuxième essai, hein, par rapport au dernier try. Alors, franchement, ce qui est bien, c'est que les plateformes, en fait, comme je te dis, elles ne s'écroulent que quand tu sautes. Donc, finalement, tant que tu restes dessus, elles vont pas s'écrouler. Donc, tu peux toujours avancer petit pas par petit pas, et ça fonctionne, en fait, finalement. Et ça, c'est bien. Donc, voilà, alors, je me retrouve avec 154 de monnaie, qui est quand même pas plus mal, j'ai envie de te dire aussi. Je suis quand même bien blotti. Là, quand même, donc, je vais clairement pas dire non. Alors, je sens le lieu auquel je vais peut-être souvent être one-shot. Pourquoi? Parce que, bah, vive l'eau, hein. Et comme on a un putain de Belmont, on sait pas nager. Ça, c'est normal, hein, les gars. Oh, j'ai oublié de me baisser. Tout va bien.
Alors, je sais pas s'il y a des rôtis ou quoi que ce soit dans cette version. Ça, j'en sais rien du tout. Ok, j'ai vu un escalier ici. On est parti. Ok. Hop. Bon, faut quand même faire gaffe, hein. C'est pas parce qu'ils sont... Allez, comment dire ça? Pas parce que ce sont des... Ouais. Oups. Ah, j'ai vu qu'il y avait de la lumière dynamique avec les bougies. C'est quand même pas mal, ça. C'est une bonne idée. C'est pas parce que c'est des crabes qu'ils avancent vraiment à petit pas et tout, qu'ils font pas des attaques puissantes et tout, qu'il faut les sous-estimer pour autant. Sachant que leur bubule, ça peut vraiment, des fois, faire mal, et il faut faire quand même attention à ça. Ne jamais sous-estimer l'adversité, les gars. Ça, c'est un point très important. Par contre, petit passage secret, quelque part, je sais pas, non, rien du tout. Oh, ok, rien du tout. Oh! Où suis-je donc? Ah, d'accord, ok. pas mal du tout. Ok, sympa. Sympa ce petit message. D'accord, tout va bien. Ok, du coup, on va aller autre part, hein, tout simplement. Si je peux en tout cas. C'est certain. Bah, tu vois là, par exemple, le crabe pose beaucoup de problèmes ici. Ouais, il pose vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, là, ici, c'est certain. Moi, j'aurais de l'Holy Water, là, par exemple, je pouvais le lancer à mes pieds, ça aurait été parfait. Mais là, pour le coup, je ne peux pas. Ok. Bon, du coup, j'espère au moins qu'il y a un boss ou quelque chose comme ça dans cette démo. Ce serait vachement cool. Alors. Alors, on va parler. Non, on va pas parler, les gars. Non, je vais essayer de pas m'humilier encore plus que je ne le fais d'habitude, là. Bon, ça va, hein, c'est juste mourir dans l'eau. C'est commun, quand tu joues à Castlevania, de faire ça. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, gère tes souls, Tim. Hein. Ça peut le faire aussi. Par contre, ici, pas mal de problèmes avec le... Ouais. Il faut vraiment gérer son soul, là. Hein. Là, au pixel près, limite. Putain. Ah, bien joué. Bien joué. Ah. Quand t'arrives pas à gérer tes sauts, c'est ce qui se passe. Bah écoutez, je vais faire une coupure et je vais voir où est-ce que je pourrais éventuellement aller plus loin, tout simplement. Allez les gars, on est reparti. Hop. Ouh. Oula, ok. Oula. Ah oui. Effectivement, là c'est pas mal. Putain, pour gérer tout ça... Attends, je vais essayer de pas bouger, voir si je peux au moins gérer quelque chose. Oh putain. Oh, je sens que ça va être marrant ce passage. Oh, je sens que ça va être cool. Génial. Ok. Bah écoutez, on revient. Pouf! J'y suis arrivé, les gars. Incroyable, mais vrai, j'y suis arrivé. Alors, il me semble que normalement, tu dois passer ce passage quand il est 9h, 10h. Parce que voilà, le temps influe sur le jeu, bah, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu apprendre et tout. Et du coup, ce passage serait semi-éclairé. Moi, je l'ai fait en mode hardcore, c'est-à-dire dans le noir total. Bon, je suis mort quelques fois, hein, évidemment, c'est normal. Mais quand même, je suis content de l'avoir fait dans le noir. C'est-à-dire que là, j'ai une petite fierté en me disant, ah, je l'ai passé dans la manière la plus difficile possible. Ah, c'est quand même pas plus mal. Hein, je veux dire, c'est cool. Ok. Alors, on va continuer à avancer, bien entendu. Alors, il me semble qu'il y a un boss, hein, ici, hein, de ce que j'ai pu voir et tout. Bon, évidemment, j'ai lu, j'ai vu des choses. Je me suis malheureusement spoilé un petit peu, hein. Donc, évidemment. Ok. Alors j'ai appris qu'il y avait également une glissade, hein, comme dans Shino Rondo. Alors je vais pas vous la montrer ici parce que les lieux sont un petit peu étroits. Mais il y a une petite glissade, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Oula, ouf. C'est très anarchique, hein, avec les sauts de Castlevania. C'est très anarchique tout ça. Oula, ok. Oui. Ok alors, checkpoint. Parfait. Quel... Putain, tu m'aurais plongé dans l'eau, je t'aurais dit espèce d'enfoiré, quoi. Oh putain, oh la lune. Regardez comment elle s'élève et tout, ça fait vraiment plaisir aux yeux, hein, ça.
Ah, ça, oui. Ça, c'était du plaisir non dissimulé. Et ça, c'était. C'était un prank non dissimulé, ça aussi, putain. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Allez, on est reparti. Quel plaisir visuel, ce jeu, quoi. C'est impressionnant. Non, pour un jeu qui est allé de reprendre un peu les settings d'un certain Castlevania 2, franchement, ça fait plaisir à voir. Franchement, le jeu est quand même bien maîtrisé et tout. Quand même vachement cool. Niveau gameplay, on est vraiment sur du simple, mais du très efficace. Ça reprend même les glissades de Shin Rondo. Bon, le lieu est un peu étroit, donc je peux pas vous le montrer ici. Mais voilà. Ah, peut-être ici. Peut-être ici, attends. Voilà. Voilà, glissade à la Shin Rondo, ça fait vraiment plaisir. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un, mais je peux pas lui parler en tout cas. Ça, c'est sûr. Ok, une maison. Que je peux rentrer? Non, en tout cas, je peux pas y aller du tout. Allez, hop, petit couteau. Ah, bah voilà, il ouvre sa porte la journée. D'accord. Ça, c'est bien un jeu qui influe vraiment ses settings via le temps et l'heure pour tout ça. Ok, alors. Oh, fish. Avoir du poisson pour 50 euros. Oh, il y a de la pêche. C'est ça que tu veux me dire dans ce jeu? Il y a de la pêche? Non, 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 non. Je pensais que c'était de l'autre côté, excuse-moi. Autant pour moi, l'ami. Ok. Donc, je peux pêcher quelque chose. Mais c'est excellent, ça, par contre. Ok. Alors, le lancer était totalement ridicule. Alors, poisson. Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose au fond, qui est plus important. Ok. Il semble que le poisson, c'est bien. Mais j'ai l'impression que ça cache quelque chose, tout ça. Et hop. Allez, vous entendez la manette en train de combattre de toutes ses forces, elle aussi. Moi aussi, je combats toutes mes forces pour le petit poisson. Putain, ça résiste fort, hein. Un poisson Sky, là. Putain, mais what the fuck? Oh là 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 là. Eh ben, pas décidément. Ouais, je vais vraiment le lancer au fond, voir s'il y a quelque chose. Ah! Je me disais bien. Une hache? Oh! D'accord. Ah mince, faut esquiver les poissons, c'est vrai. Ok, on va attendre que lui parte, s'il veut bien en tout cas. Je pense qu'il m'a target, hein, lui. Je pense que c'est un peu la mort, ouais, c'est mort. C'est mort. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour des haches, hein. De toute façon, c'est pas non plus important. Surtout que mes couteaux sont toujours aussi importants, donc je trouve que ça va encore, je peux encore garder mes couteaux, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est quand même assez bon. Parfait. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, au revoir, merci, bisous, au revoir, bisous. Salut! C'était sympa en tout cas, c'était sympa comme mini-jeu. Moi je prends honnêtement. Hop! On peut se dépêcher à finir le jeu comme ça aussi, hein. Lol. Donc c'est quand même pas mal. Oh! Et donc ce lieu? Très sympa hein, comme lieu en tout cas. Espèce de forêt enneigée. Il se passe rien pour l'instant, il n'y a aucun ennemi, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Ah! Ah oui, d'accord. Ok. J'attends également qu'on soit à la release complète. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci, l'ami. Ok. Donc tu vois que cette démo est quand même limitée à plusieurs lieux, hein, donc c'est un peu normal. Aussi, c'est qu'on découvre pas tout pour l'instant, c'est qu'une démo, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Donc voilà. On va quand même respecter le choix de l'auteur, hein, bien entendu. De pas tout montrer. C'est logique, c'est le but d'une démo. Donc, voilà. Oh, j'ai littéralement fait un kick sur les bulles. Enfin, maintenant que je fais ce move, je fais plus que ça, t'sais. Lol. Oups. Écoute, je pense que j'ai un lieu que j'ai pas encore visité dans la grotte, donc je vais tout de suite y aller.
Vous, ça doit faire une vidéo de quasiment 30 minutes là pour l'instant. Moi, ça fait quasiment une heure que je suis sur le jeu, à avoir fait des retries et tout ça. Enfin, quasiment une heure, bon, 50 minutes, hein. Mais bon, je dis quasiment, quoi. Donc voilà. Écoute, je vais retourner ici. Pourquoi j'ai plus mon couteau? Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je trouve que ma lance me sert déjà très très bien ici. Ma lance, mon fouet, lol. T'as ma lance, tout va bien. Oups. Voilà, c'est celui que j'avais pas encore visité. Ouh. Et que ça ferait flipper, tiens. Tellement c'est au poil de cul près, c'est histoire. Ah, tu peux hit par derrière également. Parce que t'as un mouvement de recul avec ta... au fouet. Il permet également de toucher les ennemis par derrière. Bon, c'est toujours bon à prendre. Ok, donc rien de spécial ici. Rien de spécial ici, on dirait. D'accord. Bon bah écoutez les gars, je pense que je suis bon pour ce jeu, hein, tout simplement. Je pense qu'on a fini ce qu'il fallait à faire et tout. Alors c'est vrai que j'avais vu bizarrement que... Il me semble que... Ouais. Parce que ça me paraît bizarre quand même, parce que j'avais vu un gars qui avait combattu un boss. Ça me paraît un peu étrange. Écoutez, je pense que je vais plutôt faire un skip et voir ce qu'il y a lieu de faire. Bon écoutez les gars, je pense que les développeurs ont peut-être une autre démo ou quoi que ce soit, parce que je vois qu'ils ont eux accès directement à une autre partie. Alors il me semble qu'ils ont directement accès au château, me semble-t-il. Donc ce qui est quand même vraiment pas trop mal, hein, j'ai envie de te dire, mais je pense pas que tu aies accès directement à la clé ou quoi que ce soit. Alors j'avais vu une clé hein, dans une maison, mais on pouvait pas avoir accès tout simplement. Donc voilà. Donc quand même, j'ai pu quand même tester un bon jeu, là pour l'instant, franchement la démo est vraiment pas mal du tout. Le jeu essaye vraiment, encore une fois, de reprendre vraiment les settings de Castlevania 2, mais bon, en mieux, en tout cas, en mieux, avec plus d'options, plus de... Enfin, ça, plus de prise de risque ou quoi que ce soit, avec là, vraiment, quelque chose qui affecte beaucoup sur le temps, parce que bon, sur Castlevania 2, c'était quoi? T'avais le temps qui affectait sur les ennemis, t'avais le temps qui affectait tout simplement sur la dureté un petit peu du jeu. Et là, pour le coup, tu vois que ça affecte les décors, ça affecte vraiment la façon de vivre des gens, notamment. Et vraiment, c'est vraiment sympa, quoi. Franchement, c'est cool. Franchement, le jeu permet vraiment d'avoir une certaine liberté à ce niveau-là. Et ça permet de reprendre les idées qui étaient déjà mises en place par Castlevania 2, qui étaient déjà vraiment bonnes à l'époque. Hein. C'était un système jour nu, littéralement. À l'époque, c'était quand même vraiment révolutionnaire. Et là, pour le coup, on a quelque chose qui reprend ces mêmes settings, avec une touche en plus. Avec une petite touche en plus. Et franchement, ça fait super plaisir, quoi. Voilà. Hop. Alors, je vais aller peut-être aller voir pour la clé, voir si je peux faire quelque chose, éventuellement, mais... Il me semble que non, hein. Il me semble que je suis un peu bloqué. Non, parce que j'ai vu des vidéos du jeu auxquelles il y a des gens qui accédaient au boss, mais c'était pas tout le monde aussi, hein, tu vois, bon. Quand même. C'était pas ici non plus. Non, c'était l'autre maison, là-bas, je pense. Ouais, c'était une des maisons ici, il me semble qu'il y avait une clé. Ouais, voilà, la clé, si vous voyez. Ou alors, attends. Ce qu'on va faire, hier. Ce qu'on va faire... Ah mais non, c'est pas toi qui as besoin de la plante médicinale, à tout hasard. Alors. Ok. Vous savez quoi? Je pense qu'on va remplir cette quête, hein, de la potion médicinale. Enfin, je pensais finir cette vidéo ici, mais non. Finalement, j'ai encore plus envie de jouer, quoi, parce que ce jeu est bien, tout simplement. Ce jeu est cool, ce jeu est vraiment sympa. Bon, franchement, je dirais pas non à tester plus et à en voir plus. Putain, le kick, il est complètement fumé, hein, c'est n'importe quoi. Bon, faisons peut-être attention ici parce qu'il y a de l'eau, mais voilà, quoi. Quand même... Prends quand même nos précautions, c'est certain. Non, parce que c'est vrai que dans mon autre partie, j'étais trop avancé, je pense, et franchement, revenir en ville avec tout ce que j'ai traversé, ça risque d'être un peu compliqué, c'est certain. Putain, le kick, quoi, mais what the fuck, quoi. Totalement craqué. Oula, attention. Quand même que je tombe pas dans l'eau, hein, ce serait un peu con. Ok. Donc là, je vais aller récupérer ce qui est important, hein, tout simplement de récupérer. Je pense qu'on sera bon. Allez, on va tuer les petites navies. Excuse-moi, ça ressemble à Navi, hein, ça, à 10 millions de pourcents. Ça, Belmont, t'as l'eau au genou. Ça, t'as pas trop peur.
marquer. Hop. Parfait. Et si là on a la plante et qu'on récupère tout simplement la potion chez l'herbiste, éventuellement, on va pouvoir peut-être récupérer la clé. Parce que j'ai vu une clé au-dessus, je me suis dit, ah, c'est peut-être lié à cette mini-quête. Éventuellement, peut-être accéder au boss. Ça peut être bien, ça. Alors, est-ce que ça a compté que j'ai récupéré la clé? Enfin, la plante médicinale, je ne sais pas du tout. Ça m'étonnerait. Cette vidéo, excusez-moi, elle est un peu plus longue que d'habitude, là, pour le coup. Mais ouais. Ouais. J'ai encore envie de jouer un peu plus, hein. C'est normal, vu que le jeu est bon, hein, tout simplement. Et qu'il attise ma curiosité sur ce que l'on pourrait faire sur cette démo. Ah bah oui, je l'avais récupéré. Ah bah, je peux limite crever, hein. Bon, on va se la jouer franco. En tout cas, des graphismes, hein. Très sympa, hein. Le pixel art n'a pas encore ouvert le jour aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Parce que... C'est vrai que je le dis souvent à des vidéos, c'est que... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent encore le pixel art aujourd'hui, que... On a fait le tour, blablabla, compagnie. Moi je trouve qu'il a encore à offrir, hein, tout simplement, avec une direction artistique qui reprend vraiment le tribut, hein, des jeux d'origine. Des jeux d'antan, qui essayent de nous faire revivre un petit peu cette passion qu'on avait à l'époque, hein, pour ce genre de jeu. Et vraiment, je trouve que c'est quand même bien réussi, quoi. Ça a vraiment toujours une belle gueule, je trouve, et il y a toujours encore des bonnes choses à proposer. Et c'est ce qui est important en termes de design. Bon, après, niveau originalité, c'est sûr que des fois... Bon, on va pas crier au génie, hein, certainement pas, très loin de là, même. Mais est-il vrai que je trouve, honnêtement, que toujours cette patte rétro, bah, elle a toujours un petit peu son effet. Et honnêtement, je trouve que ça réussit tout le temps. Ah ouais, faudrait que j'attende. C'est vrai. 1h du matin, ouais, c'est vrai. Et que maintenant tout est fermé. Ah mais non, je peux... Merde, espèce de con, je peux aller à l'église, mais oui. C'est que l'église est ouverte et ils m'ont carrément dit tout à l'heure. Ah mais tu peux venir en fait, tu peux attendre jusqu'au lever du jour. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils m'avaient totalement dit ça, les gars. Alors. Oui, bien sûr. Et il ronfle. Notre personnage, il ronfle. Nickel, ça. Ok. Bon, je vais aller chez l'herbiste, du coup. Ça se dit herbiste, d'ailleurs. Enfin, soit. Oui. Après, franchement, si c'était ta petite fille, t'aurais pu le faire toi-même, hein, sans déconner. Hein. C'est pas très gentil d'être un grand-père et de laisser ta petite fille très mal comme ça, alors que t'aurais pu le faire toi-même. Hein. Enfin, soit. C'est pas très très cool, monsieur grand-père. Ok. Bram qui, voilà. Et là, pour le coup, je pourrais accéder à la suite du jeu avec le boss. Ah bah voilà. Et comment ça se fait qu'il a la clé pour accéder au château? Ça reste quand même... Ah, je me dis... Ah, le gars, il a carrément la clé du château de Bram, quoi. Carrément. Hop, alors je vais ramasser encore un petit peu de choses ici. Quoique, non, il y a rien à... Rien à signaler ici. Ok. Bon, écoutez. Hop. Bonjour, monsieur. Bah, écoute, on va prendre les clés, hein. Qu'est-ce que je raconte? On va prendre les couteaux, tout simplement, et après... On va foncer tout simplement au château. Eh oui, les gars. Comme ça, on va pouvoir accéder à une autre partie du jeu. Que, normalement, je devais pas accéder dans cette vidéo. Mais au moins, ça s'est fait. Et tant qu'on aura plus, c'est tant mieux. C'est certain. Oups. Alors... Je vais éviter de sauter ici, sinon c'est la mort, hein, tout simplement. J'aurais été tenté de faire un saut à la Shinrondo, mais là je vais éviter. Alors ok, on est bien. Oui. Reste 2. Ah, j'ai des vies limitées ici. D'accord. D'accord, au moins, il y a de la difficulté là, c'est cool. Vraiment pas faire n'importe quoi ici. Ok. Ouh les saloperies. Y'a
pas une armure qui va se réveiller là d'un coup ou quoi que ce soit. Oula. Ouh. Ça va, au moins je peux les tuer comme ça. C'est déjà cool. Oh, le retour de ses ennemis. Ouh, je suis passé entre les mailles du filet là. Bon, bien joué. Ok. Hop. Ah, c'est comme ça ici. Oh mince! Oh ça. Oh bah ça sent le script, hein, ça à tous les coups, c'est certain. Encore un passage avec de l'eau. Vous êtes sérieux les gars? Vous êtes sérieux les gars? Encore un passage avec de l'eau? Par contre, comment je passe en vrai? Ouais, c'est bien gentil, mais comment je passe là ici? Comment je passe? Parce que là, j'ai toutes mes chances de tomber dans l'eau en fait, hein, c'est tout. Ok, bon, autant pour moi les gars, pas les taper au-dessus. Bon, j'ai pas habitude dans Castlevania de taper le décor, hein, donc bon. Vous m'excuserez, les gars. Hop, voilà. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Non, après, tu pourrais te dire en même temps, mais qu'est-ce qu'il fait là, le décor? Pourquoi il est là et tout? Bon, c'est vrai, je suis d'accord, mais quand même, taper du décor de Castlevania, t'as pas l'habitude, hein, donc bon. Sûr que là... Et voilà, j'étais un peu perdu. Ok. Ok, écoute, je vais redescendre. Bah alors, on descend plus? Ok. Il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur. Sûr qu'il va y en avoir un autre, là. Je m'en doutais. Ah, tu me l'as fait pas, moi, le passage secret. Bien joué. Bien joué. Ah non, franchement, là, très bien joué. Ah là, pour le coup, nickel. Parfait. Ok. Bon, écoute, on recommence ici, c'est pas plus mal. Oh, pff, un truc totalement écrasé, quoi. Excellent. Pas mal. Oh, putain. Oh non. Oh, je déteste quand je meurs comme ça, je te jure. C'est sans déconner. Oh là, c'est parmi les pires morts que tu puisses avoir. Hein. Oh là là. Oups. Mais bon, quand tu reprends les histoires anarchiques de Castlevania, ça pour le coup, c'est assez inévitable hein, finalement d'avoir des morts comme ça parce que... Mine de rien maîtriser de tels sauts... Ah, aujourd'hui c'est quand même compliqué. Hein. Quand même là... Ok, écoute, je vais monter. Parce que, qui sait, peut-être que j'ai accédé à une porte qui était fermée, hein. Donc du coup, ça m'aurait été totalement inutile, peut-être. Ah, le ciel qui bouge comme ça, excellent. Écoute, on va repasser ici... Rien à signer pour l'instant, en tout cas. Oh, qui es-tu, toi? Moi, je t'aime pas. Moi, je t'aime pas du tout, donc je te réserve déjà la mort. Bon, ils sont pas durs à battre, hein. 4 coups, ça va. Mais bon, tout de même, je prends mes précautions. Ok. Ok. Alors. Hop. Ah, des chauves-souris. Excellent, ça. Très bonne nouvelle. Je pense qu'on va mourir.
pas trop longtemps en tout cas. Enfin, sauf si j'y arrive d'un coup de main de maître. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, tu vas me tuer, lui. Alors lui. Alors lui. Ça va. Oh shit. C'était clairement pas le moment d'avoir un boss. Oh putain. Ah oui, effectivement. Ouais. Bah écoute, moi je trouve ça sympa. Moi je trouve ce jeu très sympa, honnêtement. Il permet de visiter le château et que j'ai vu qu'il y avait plusieurs boss dedans, quand même déjà pour une démo, je trouve que c'est quand même très cool. T'as quand même un petit sentiment de ouais, petit sentiment d'exploration et tout, qui est quand même pas trop dégueulasse. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Franchement, le jeu permet d'avoir déjà des explorations, mais vraiment assez poussées, mine de rien. Même pour le château, ça reste quand même vachement cool. En tout cas, le jeu reprend une bonne sauce Castlevania, ça en apprécie beaucoup, tout en pixel art, hein, ça très très bien fait et tout. Ça reste vraiment de très bonnes manufactures, surtout que ça reprend très bien le côté style 8 bits de la NES, donc quand même, j'apprécie beaucoup. Et surtout que ce jeu est vraiment très très sympa, niveau exploration, niveau gameplay, niveau armes, niveau tout ça, c'est du Castlevania classique, tu me diras, mais ça reste toujours très efficace, surtout quand c'est bien foutu, ouais voilà. Bon écoutez petits amis, je vous laisse sur cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo, c'était Téapone, à bientôt les petits amis, ciao bye bye les gars.